vient depuis maintenant, je dirais, la fin 2022, parce qu'on cherchait un lieu où rencontrer principalement les décideurs achats sur des problématiques de mobilité, travel, tout ce qui concerne nos activités. On a découvert cette formule qui permettait de regrouper pendant deux journées toutes ces personnes en un seul et même lieu, de façon bien organisée, avec un networking, et c'est ce qu'on recherchait initialement. J'y vais systématiquement avec des collaborateurs. Maintenant, à chaque retour d'Achat Days, mes collaborateurs me disent « c'est quand le prochain ?». Ils sont ravis, vraiment, parce que les décideurs achats sont vraiment là, avec un réel besoin, avec un réel intérêt, une envie de rencontrer des fournisseurs et leurs pairs. Et en fait, le retour est systématiquement positif, surtout un retour, je dirais, sur investissement d'un point de vue business. Je dirais que chaque instant de ces deux journées est une bonne opportunité pour échanger, pour networker, pour connecter, pour même parfois juste discuter des problématiques que ces décideurs achats ont. Et c'est très très précieux, parce que c'est une des seules opportunités qu'on a de retrouver autant de retours terrain de ces décideurs sur une durée aussi courte.